Fonctionne pas? Peut-être. Alors, il faut que j'aille chez Moira, je sais plus où Vous aller. voulez voir le maire ou le shérif? Ta gueule. Tue tout le monde avec Gata. Non, pas encore, je vais valider la quête. Là, je vais valider un peu, enfin une autre quête au moins. Faut faire l'XP, sinon je vais avoir tout le monde sur le cul et j'aurai. Bah, je serai niveau 2 et. Merde. Elle est au-dessus, non? Quoi? T'as un problème? Tu veux que je casse ta gueule? Quoi que vous voulez. Je peux pas parler là. Pas toi, il y a des hommes? Bah non, c'est le saloon. Bah merde. Tu cliques sur le like et ça ne l'active pas? Sérieux? Merde. Ah, attends. Est-ce que quelqu'un peut tester et me confirmer ça? Ça voudrait dire que Twitch déconne à mort. Vous revoilà? Oh mon dieu. Qu'est-ce que vous regardez, jeune fille? Ta gueule. Quels sont les besoins? Eh bien, la vieille usine de traitement de l'eau est au bout du rouleau. Ce n'est pas un secret. Et je suis le seul en ville à savoir la faire marcher. Je passe tellement de temps à l'usine. D'accord, Zantar, merci. Merci pour le follow. En ville. Bon, je non, parce que Twitch n'est pas exempt de bugs. Si vous avez le savoir-faire, j'aurais besoin de quelqu'un pour réparer ces fuites. J'espère que vous pourrez m'aider. Ouais. Allez, on s'en fout de ces fuites. Hein. Oui. Salut. Ravi de vous revoir. Il me faut une chambre. Mais est-ce qu'il me fait une chambre? Mais... T'as pas moyen de boire. Laissez-moi tranquille. Elle travaille pas aujourd'hui, l'autre? Non? Sauvegarde. J'ai plus un droit d'aller derrière. C'est verrouillé pour une bonne raison. Ne vous faites pas d'illusion. Ouais, si je ferme la porte. Ah, j'allais dire ce coup-ci ça va être à droite. Trop bon. Bien joué, Mal, bien joué, bien joué. Bien joué. Une barre à mieux que connard. Ah c'est bien, il sait plein de trucs. Mais il faut tout copier la carte d'identité aussi, très important. Enfin carrément la carte d'identité, il y a que l'envoyer. Ce type d'intérêt de premier joueur alors que je balaye barre et surgit nulle part. Je l'ai même pas entendu ouvrir la porte, il me dit qu'il est venu ici attendre l'arrivée d'une espèce d'opportuniste. D'une espèce d'opportuniste, pardon. Rien à foutre, tant qu'il paie ce qu'il boit, on peut attendre ici que cette saleté de bombe explose. Ce qui me concerne. Ah d'accord, c'est celui qui me demande de faire péter.
Alors, venu nulle part, James est revenu à Mégaton. Comme il avait déjà sonné, il m'a demandé où il pourrait se poser et en savoir plus sur ce qui se passait dans le coin. Je lui ai parlé de Galaxy News Radio dans les ruines de DC et de ce type Free Dog. Puis il est reparti. Je me souviens de la première fois où il s'est pointé. Il y a près de 20 ans, je m'étais jamais attendu à voir quelqu'un. Je ne m'étais jamais attendu à voir quelqu'un vouloir ou réussir à entrer dans un abri, mais je sais pas ce qu'il y avait. Ça, c'est bizarre comme phrase. Nanana, nanana, nanana. Mon type n'est pas très dépensier. Donc, tout est vraiment dans la forêt. Les additions. D'accord. Non, mais je veux sortir. Voilà. Hop, je m'en sors. Comme de rien. J'avais envie d'un verre, vous êtes au bon endroit. Bon, ça va aller. Oui ? Ouais ? Voilà. Ah oui, le passeport, mieux. Salut, Rakim. 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 Je t'appelle Rakim. Bienvenue à toi, comment tu vas? J'ai du mal à marcher. Bon, je me rappelle plus où elle est, la miss. C'est la porte qui est fermée, là, juste en bas? Oula, je marche vraiment comme une vieille. Ok. On peut jeter des couteaux? Ouais, on va jeter les couteaux parce qu'on s'en fout. Les couteaux, on s'en tape un peu. Ouais, en plus, ils sont passés à travers la tôle. Ce sont des couteaux très dangereux. Mais si. Quoi? Qu'est-ce que tu as, un coup de boule? Les déchets. Alors, qu'a donné la récup? Vous avez trouvé de la nourriture et des médicaments. C'est vrai. Oh. Il faut croire que c'était une source d'approvisionnement évidente et que tout a été pillé il y a longtemps. Hein. En tout cas, merci d'avoir En même temps, le magasin il a 200 ans. Super logique. C'est dommage que vous n'ayez rien trouvé là-bas. Je vais très bien, merci. Ils sont bien, le magasin qui a 200 ans. Oh, il n'y a plus rien à piller. Ouais. Empoisonnement aux radiations. Il faut même pas une. Pour faire des Salut Sketch, comment tu vas? Pourquoi et tu dis amateur? Pour la première partie du livre. Qu'est-ce qui vous tente? Tu viens juste d'arriver. Eh bien, c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. J'ai étudié les livres, mais je n'ai jamais de spécimen vivant. Enfin, pas assez longtemps. Alors, il faudrait que vous vous fassiez n'importe quoi. Pour que j'étudie ses effets. Oh, vous n'en mourrez pas, j'arrangerai ça bien avant. N'importe quoi, Sketch. Oh, ne vous en faites pas pour ça. Je vous attendrai avec un bon verre de lait de bramine décontaminant à votre retour. Eh bien, essentiellement un tas de Rad X et de Rad Away. Et peut-être un meilleur moyen de se débarrasser des radiations. S'il marche, bien entendu. Bon. Oh, c'est gentil. Je ne vous traiterai pas comme une poire. De toute manière, de nos jours, on trouve plus de grenades que de poires. Bon, 200 rads devraient suffire pour de premiers symptômes, mais si vous dépassez 600 rads, mes tests seront encore plus précis. Faites en sorte d'être en état de revenir ici, et je m'occuperai bien de vous à votre retour. Une histoire de chirurgie faciale et ah, de programmation de mémoire. Mais il paraît que c'était un canular. Ça fait longtemps qu'on n'en parle plus. Oh, on a le moral à zéro? Au contraire du compteur GGR? Je réalise des tas de choses, mais sûrement pas ça. C'est une nécessité scientifique et ça n'a rien de ridicule. J'ai besoin de ces résultats, et vous allez de toute manière vous faire irradier. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour m'aider?
Ah, peut-être. En fait, si vous voulez fabriquer une arme personnalisée, n'hésitez pas à utiliser l'établi du magasin. D'accord. Non, mais je veux te vendre des trucs. Ah. Quels? Mes besoins, ce sont de te vendre du bordel, parce que j'en ai beaucoup. Inspirateur, par exemple. Une attelle, une batte de baseball, une bière, du truc bizarre, des bouchées d'iguane. Une boîte à sandwich. Je sais que ça sert à faire des mines, mais je m'en fous un peu. Je sais bien qu'il y a une histoire de cartouche. Je m'en fous. Col miracle, ouais. Ouais. Couteau. Je m'en fous de couteau. Lampe témoin, si tu veux. Ah, mini-nuque. Ah, d'accord. Ben, je vais le garder sous le coude pour quelqu'un qui a les thunes. Module de capteur, allez, nettoyant. Bam, 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 bam. Nucola, je vais le garder. Ne te fâche pas. Postelettino. Scotch. Le tube chirurgical, je m'en fous. Le sac de plonge, tout de plonge. La vodka, je m'en cogne. Hop là. T'as pas des... Merde, t'as pas un cheveu, non? Nain de jardin? Mais je vais prendre les 6. Oula, c'est cher. Oula, non, je veux pas. Non, oui, annule. Bonne chasse. Ah, j'ai pas inventé. Avez... Ouais, puis ce laser réparé. Bien ça. Ça ouais. Putain, il me reste plus beaucoup de. Ça fait mal. Ah. Ça fait mal au fion les réparations. Alors c'est qui? C'est moi, je suis méchante, alors que c'est avec Oli, un autre truc, ça se fait appeler Mizu. Ça veut rien dire ta phrase. Salut Timothe 950, comment vas-tu et bienvenue à toi. C'est bon si tu pas. Ah, c'est toi Maël qui like tous les Français. Faut liker les gens qui stream, hein. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu veux? Je ferais probablement mieux de ne pas vous parler. Billy dit que je fais trop confiance aux étrangers. Il dit que c'est dangereux. Je saurais pas dire, vraiment. Mais si je voulais en savoir plus, j'irais demander à Mania. Elle a vécu à Megaton plus longtemps que quiconque. Ah, mais que avec Oli, un autre truc qui se fait appeler Mizu. Ouais, avec le light aussi, t'es méchante. Ah, il a arrêté son live, au fait. C'est pas sérieux, tout ça. Bon, t'as rien à me raconter, ben je me barre. Au revoir, madame. J'ai pas le droit de parler aux étrangers. Ouais. Bon, mais parle pour l'étranger. Alors, 2 secondes. Alors, c'est bizarre parce que le follow, alors quelqu'un a balancé son follow, ses entards je crois, et ça n'a pas marché. Alors je suis désolé, si vous follow ma... enfin, vous mettez en follow ma chaîne, je suis désolé, mon truc de follow ne fonctionne pas. T'es gentil, il like, t'as besoin. Alors 2 secondes parce que ça a planté. Voilà, ça faisait un petit moment, ça n'avait pas fait. Et alors, il y a un autre truc aussi qu'il aime bien faire, ce truc, c'est que il fait disparaître mon curseur. Je suis désolé si j'arrive à faire quelque chose. Non, c'était l'autre alors.
Ah, ça y est. Alors je sais pas, t'en fais tellement, je les note plus maintenant. Tellement l'habitude. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Pourquoi t'as balancé des trucs? Il y a des choses que je devrais pas savoir. Non, non, mais c'est pas que je dois quitter Twitch, mec. Moi, je parle que normalement, quand vous suivez ma chaîne, il doit y avoir le chat qui doit apparaître avec un joli petit rugissement, et ça ne marche pas. Ouais, par contre, moi, tu t'en fous, hein. Moi, tu me veux du mal, hein. Ouais, je vous montre le truc de follow. Et je ne sais pas pourquoi il ne marche pas. Attendez, je vais regarder un truc. Parce que est-ce que je l'ai pas mis sur off? Non, je l'ai pas mis sur off. Théoriquement, ça devrait faire ça. Ça va arriver. Pendant que je charge tout ça. Voilà, on devrait avoir ça. Mais on ne l'a pas. Allez savoir pourquoi. Bonjour Miss. Alors. Ah non, c'est pas la réalisation. Ah, je voulais aller voir ça en fait. Ah mais c'est ça. Oh. Mais moi c'est pas pareil, c'est rigolement embêté. Bon. On y va. Bah je sais pas pourquoi je l'aide, je vais tout faire péter, mais oh, on peut même pas passer dessous là. Honte. Quels sont les besoins? Les tuyaux de la ville ont des fuites. Ah oui, ah, j'ai trouvé les fuites aussi. Eh bien. Ça c'est bien ça. C'est verrouillé pour une bonne raison. Oui, je sais. D'illusion. Je me doute bien. Moi, je suis caché. Oh merde. C'est pas bien. Ouh, c'est vilain. J'ai pas assez. C'est quoi un très difficile? C'est combien de points déjà? Oh, quoi qu'une fois que j'oserais tous exploser. Hein. Qu'est-ce que j'en aurais à péter? Non, m'en fous. Allez. On va chercher des fuites. Ouais. T'es beau. Ouais, je vais faire péter mes gatons, mais je vais faire quand même les quêtes un peu. Parce que si je vais pas les quêtes, c'est pas rigolo. On gagne pas trop d'XP. Alors que si on fait l'enfoiré, qu'on est sympa et tout ça. Laissez-moi tranquille. Salut toi. Voilà, voilà à quoi je ressemble. Pourquoi il est pas pratique leur truc, hein. Non, attendez. Hop là. Oh, ah. Lumière, je veux de la lumière. Je veux de la lumière. Voilà. À quoi ressemble Branded McLeod? Il dirait presque son fils. Je sais pas si on peut. Ah non, je peux pas. Merde. Ah là, je peux. Ouais, c'est ça en mode pour l'instant. Ah oui, j'ai pensé à faire peut-être le négrier en fait. En plus, elle est black. Jeu de mots. La qualité est basse? Eh ben oui, parce que déjà, on ne choisit pas. En qualité, on est par défaut, on est en, même pas en 360.
Mais ouais, tout mon live est en basse qualité, c'est pas ma faute. Pourtant, j'ai augmenté FPS et tout. Le jour où j'aurai assez de gens qui regarderont et... des foulons en pagaille, des vues en pagaille. Le stream sera un peu différent. Ah oui, on court après les fuites. Waouh. Hein. Une fuite. Je crois qu'il y a 3 fuites en fait. Hein. Ah oui, il faut 30 minimum pour réparer la fuite. Ah, il me faut 30 en médecine et 30 en... Quelle galère. Une quête que je peux faire sans te faire péter un peu d'XP. Alors, lien du sang, mon foie, il faut transmettre. Ah, transmettre le message à Lucie. Il faut que j'y retourne. Ouais, ouais, c'est ça. Elle était où, elle? Elle était au bar, je crois, non? Là. Non. Non. Oh, non. C'est en haut. Les hommes, les femmes et les enfants de la terre se rassemblent afin d'admirer. Tiens, maison. Non, par là. Balabalabalabala. Ah, la qualité d'image. Ouais, déjà que c'est pas trop mal hein, par rapport au truc de base. Hein. C'est qui toi? Ah, encore une de ces ordures de terre désolée. Écoutez-moi bien, vous me plaisez pas, n'approchez pas de moi et tout se passera bien. Oh, il n'y a pas grand-chose à raconter. J'ai vécu à l'extérieur, j'étais un vrai salaud à l'époque, mais tout ça, c'est du passé. Tout ça, c'est du passé. Je reviens. Je vais prendre une petite pause pour manger un bout et je reviens rapidement. Alors, attendez. J'ai laissé tout ce dialogue derrière moi. C'est le merdier là-bas. Tué, volé. D'accord, bah je veux bien, ouais. Fais péter le lien. Je suis plus ce genre d'homme. Vous savez, ça me manque des fois. On vit librement, vous voyez ? Allez, je suis qu'un vieux pillard, les civets. Quelle équipe voudrait de moi? Tous ces jeunes n'ont aucun respect. Ça n'a rien de personnel, mais vous ressemblez pas aux gens avec qui je me balade d'habitude. Merci. J'ai entendu parler de vous. Le genre béni oui-oui d'abri. Ça m'étonnerait qu'on s'entende. T'as, pourtant j'ai pas un karma. Non, c'est pas si mal ici. Bon bah... On va te faire encadrer. Elle est où la blonde? Merde, comment je... Ne regarde pas comme ça. Non, je te regarde pas. Rien à péter toi. Les liens du sang. Ben ouais, je vais vous retrouver... Lucie. Comment je fais? Carte. Carte. Non. C'est quoi ça? Bon ben tant pis, on va faire une autre carte, on va faire une autre quête. Est-ce que les habitants de Big Town captivent des super mutants? Non.
Poursuivre, survivre, on verra ça après. L'homme répliqué, on s'en fout. Trouver Galaxy Radio. On fera ça. On va aller là. Voilà. Mais te gueule. D'accord. On va à la Big Town. Ah non, on va pas à la Big Town. Grosse connerie. Grosse connerie. Voilà. Merci pour le lien. Tu as tout, ils marchent quasiment tous hors de celle qui est type 3, d'accord. Mais ils sont pas sur Steam? C'est ceux-là de mode? J'ai fait une ânerie. Faut que je me barre. Il faut que j'aille. Non, pas clic droit, toujours pas. J'ai envie de faire clic droit pour bouger, mais. Voilà. Vous voulez voir le maire ou le shérif? On vous voit beaucoup ces temps-ci. Vous posez des questions, vous enquêtez? Alors, vous êtes quoi? Une espèce de détective privé? Ou alors, vous avez une rancune personnelle contre un androïde qui veut qu'on lui fiche la paix? Dites-le-moi, j'aimerais vraiment savoir. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Vous risquez de détruire la vie d'un homme. C'est ce que vous voulez? C'est pas un homme, c'est un aspirateur. J'appartiens à un mouvement qui cherche à sauver ces androïdes en fuite. Je ne peux pas vous laisser nous gêner. D'accord, il n'a pas sur Steam, d'accord. Je regarderai encore. D'accord, rejetez-moi, niez la vérité, mais prenez ça. C'est un composant de l'androïde que vous recherchez. Ne me demandez pas comment je l'ai obtenu. Si vous changez d'avis, donnez ce composant au docteur Zimmer, à Rivet City. Dites-lui que l'androïde est mort, que c'était sur son cadavre. Il vous croira, il repartira, et vous aurez sauvé la vie d'un homme. Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Ouais, bon, je reviens. On va rester sur cette très belle bombe. Et moi, je vous laisse avec ça, et moi je vais manger un bout, je reviens très rapidement. A tout de suite et bon appétit. Pourquoi ça a fait un zoom? Ah d'accord, ouais, je suis obligé de... On n'a pas le choix. C'est un peu con. Tant pis. A tout de suite. Et Re-Ymir, à tout de suite, je vais manger un bout, je reviens.
Salut à toi, Etoldi. Je sais pas si tu es parti. Non, il est parti. Bon, il a pas. Il est pas supporté. Que ceux qui vivent ici sur la terre qu'il a élue suivent les paroles du prophète d'Atome. Venez voir les eaux de la gueule, car cet ancien arbre de guerre symbolise notre Seigneur. Elle est le symbole même de la gloire. Qu'elle nous rappelle la division qui a eu lieu dans le passé et nous annonce le resplendissement de la division à venir. Hop là. Offrez vos corps à Atome. Blablabla. Grâce à son pouvoir, ressentez sa lueur et soyez divisés. Il n'y aura ni larmes. Merde, j'aurais dû me mettre dans le. Pendant que je mangeais un bout. J'ai fait une connerie. Je suis remonté à 600 rades. Oh là, j'ai fait une bêtise. Oh. Pendant que je bois tranquillement mon petit coca. Disparaîtront, elles seront lavées dans la lueur d'Atome, brûlées dans le feu de son éclat. Le corps putride de chacun de nous donnera naissance à 1 milliard d'étoiles. Chacun de nous enfantera 1 000 milliards de civilisations. N'importe quoi. Chacun de nous connaîtra la paix, la fin de ses souffrances et la gloire d'Atome. Je vous y invite, mes frères. Venez, buvez avec moi. Ah oui. Priez. Ah oui, ça va plus vite. Glorieux Atome, je t'offre mes os fragiles. Je te fais cadeau de ce frêle corps. J'ai récupéré de la vie. Je t'en implore, fais de moi ton instrument. Guide-moi vers toi. Ton éclat divise chaque particule et donne la paix à ce corps pourri. Accorde à ce corps éphémère une vie nouvelle. J'ai récupéré de la vie en fait. Il me dit que je suis empoisonné, mais je récupère de la vie. Atome, c'est dingo. Viens. Impose ta présence. Atome, viens. Serviteur indigne. Nous resterons fidèles jusqu'au jour de la division. Jusqu'au jour de ton retour sur cet humble monde. Attends des secondes, je fais un truc parce que. Hé là-bas, j'ai un truc à te demander. Oui, bien sûr, pas de problème. Si je peux faire quelque chose pour vous aider, dites-moi. Bon, pas besoin de me sortir. Allez, attends. Regardez, il arrive avec les nuages et sa gloire nous aveuglera tous. Le tonnerre de sa voix nous assourdira tous. Que les hommes, les femmes et les enfants de la terre se rassemblent afin d'admirer le pouvoir d'Atome. Voilà. Que ceux qui vivent ici sur la terre qu'il a élue. J'ai un rapport pour ce mec-là. D'Atome. Venez voir les eaux de la lueur, car cette ancienne arme de guerre symbolise. Merde. Elle est le symbole même de la gloire d'Atome. Ok, bon, ben on va continuer. Est-ce qu'on en est où, radiation? Oh, on est presque 600 radiations qu'il faut avoir. Un petit coup de flotte. Tu lui donnes la vie, c'est péché. Bah attends, je vais au moins sauvegarder là parce que. Ah, mais j'ai pas rangé le pompe dans mes mains en fait. Les touches. C'est celui-là est bien. Ouais, je vais lui donner celui-là. Ça, c'est quoi ça? 6. Ah, c'est le laser. C'est le laser. Merde, celui-là, le bouton. Il n'y aura ni larmes, ni chagrin, ni souffrance, car la division nous libère des douleurs. Ça. Oh! Merde. Bon. Vilain Jéricho. Vos souffrances disparaîtront. Elles seront lavées dans la lueur d'un. Ah, on n'est pas loin de 600. Brûlé dans le feu de son épée. Le corps putride. Ouais, c'est bon, on peut aller là-bas. Il était. Merde, elle est de quel côté? Chacun de nous enfantera 1 000 milliards de civilisations. Je vois, c'est pas là. Je dois avoir les oreilles qui brillent.
Ah, merci pour le bandeau pause. J'oublie tout le temps. C'est une maladie. Pourquoi je laisse le bandeau pause? Je trouve ça normal, moi je continue. Pas de soucis. Merci beaucoup, Ymir. Ymir. Ymir, c'est très dur à dire. Ymir. Ymir. Chut, secrétaire. Ah non, c'était pour les toilettes, d'accord. C'était la porte des toilettes. C'est là. Alors. J'ai toujours 300. Ouais, c'est cool. Oh, on a le mot. Je vois ça. Une vraie luciole bipède. Bon, attendez et essayez de ne pas bouger. Dites-moi ce que vous ressentez. Ensuite, je vous soignerai. Oh, vous avez du courage d'essayer de faire bonne figure. Bon, ne vous en faites pas, ça va aller mieux. Et c'est pour la bonne cause. Maintenant, je vais prendre quelques notes avant de m'occuper de ces vilaines radiations avec le traitement que j'ai mis au point. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester ça sur quelqu'un ayant reçu une telle dose, mais je suis sûre que ça va marcher. C'est excitant, non? D'accord. Un peu de lait de bramine, quelques aimants et peut-être quelques pensées positives. Pensées positives? Eh bien, vous êtes en vie, c'est la bonne nouvelle. Mais il y a eu un léger effet secondaire. Une toute petite mutation. Mais elle semble bénigne. Tenez, prenez quelques produits anti-radiation. Ma manière de dire « désolé d'avoir tordu votre ADN comme un torchon qu'on essore ». Alors, l'espace noir a eu effet secondaire étonnant maintenant. Quand vous subissez un empoisonnement par les radiations, les membres abîmés régénèrent automatiquement. C'est cool. On va faire les mines. Les mines sont l'un des rares dangers qu'ils rapportent. Il suffit de les désarmer et on peut les vendre pour un beau tas de capsules. J'ai entendu parler d'une ville fantôme remplie de mines. Les marchands appellent cet endroit Minefield, tout simplement. Ça a l'air d'être l'endroit idéal pour des recherches de terrain. Allez là-bas, revenez et racontez-moi tout. Et aussi une mine que je l'étudie. Quelle meilleure récompense face à des explosifs que des explosifs? Des grenades frag, en l'occurrence. J'en ai reçu pas mal récemment. Et si vous me rapportez quelque chose à étudier, je pourrais le modifier pour vous. J'adore bricoler les mines, pas vous? Allez. Oh, pas de souci. On dit qu'il y a... Allez, ouais, on s'en fout. Hop là. Revenez bientôt. Non, les quêtes, gros années Big Town. On va faire les mines, comme ça on va récupérer quelques trucs. On va récupérer quelques mines, justement. Je vais y aller à la patte. Ça va être plus rigolo. J'ai toujours pas gagné de level, ça m'énerve. Il me faudrait juste un level, je pourrais ajouter un... des points en réparation et en médecine dont j'ai besoin. Bisous, ça soigne tout, même un bras arraché. C'est vrai. Même un chat écrasé par un train, hein. Un bisou et le chat repart. Hein. C'est bien connu. Hein. Je fais Batman. Batman. I'm a Batman. I'm strong. You know. Batman. Ah, j'ai raté le rocher, je peux pas sauter contre le rocher. Je vais faire mon malin, je vais... Qui c'est qui joue du pipeau? J'aimerais trop avoir une caisse comme ça. Qu'est-ce qu'elles sont classe. On dirait presque des Batmobiles. Et les poubelles sont vides. C'est quoi ce monde? Où les poubelles sont vides? Un bisou sur le train, ouais. Le chat qui écrase le train, on fait un bisou sur le train repart. Pourquoi pas?
pas trouvé un truc comme ça, moi, dans... À l'époque, j'ai joué dans un jardin d'enfants, j'ai trouvé un truc... Il y a de l'eau, déjà. Bon, là, de toute façon, il n'y a plus rien, parce que... J'ai pété la gueule à tout... Ah non, je suis pas rentré dans l'école. J'ai pas pété la gueule à tout le monde. Bon, c'est pas grave. On verra plus tard si une quête m'y amène. Si elle m'y amène pas, je... J'irai personnellement... casser la gueule à tout ce qui bouge. Est-ce que je vais rencontrer des fangeux là-dedans? Parce que je sais qu'ils aiment bien la flotte. Faut pas que je cherche trop une berge non plus, quand même. Bon, on verra bien. Banzai. Ah, fais-moi repousser les membres à la radiation. Pardon, j'ai des pincées tordues. Pas le chat. Les fourmis de feu, mais il faut la quête pour les fourmis de feu, non? Il faut une quête, non? Enfin, on peut y aller comme ça, mais... Ah, l'avion aussi est rigolo. Faire nuit, ça va être rigolo. Oh, des champignons. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est une... C'est un frigo, je sais pas quoi. Pff, pas intéressant. Je crois que c'était un robot. Ah oui, je suis en danger, mais qu'est-ce qui bouge? Oh, ça. Pff, je peux avoir l'eau comme ça? Allez. Ah, le gamin! Merde, c'est celui que j'ai, qui j'ai collé une beigne. j'ai tiré avec la carabine à plomb et j'ai collé une beigne. Ah, mais faut que je sais où il est. Faut que je retourne le chercher, d'accord. Je m'en fous d'être irradié. Si je peux avoir un troisième bras qui pousse, je pourrais apporter une autre arme, peut-être. Hein. Pourquoi j'ai pas mon état? Ah oui. Ah voilà, j'ai bu des radiations et tout va bien. Enfin, des bu des radiations, ça ne veut rien dire. De l'eau irradiée. Je vais bien en plus. On pratique ce petit pouvoir là. Ah ben je retournerai. Je vais faire les mines et après on ira. On ira faire un bisou au gamin. On ira s'excuser. Ah là, il était au magasin. Il était pas à côté des fourmis de feu. Je sais pas, je me balade avec ce gun parce que j'ai pas beaucoup de cartouches et tu sais, j'aurais pu chercher des cartouches un peu. Mais l'armurerie est pas ouverte, ça m'énerve. Je vais vraiment la faire péter cette ville. Ah ouais, bon, il s'en occupe. Bon, je m'en fous, le vêtement d'avant-guerre. Vide. Oh. Droite. Ah, flûte. Ah ben voilà des cartouches. Impeccable.
Oh, notre coiffe. Merde, j'ai pas vu si c'était du scotch, La boisson ou le truc en plastique. Il y a un bruit. Pâté de fangeux. Ça a un goût de brandade. Branded. Bon, on ramasse sans regarder, on jettera, on triera après. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai gagné un level. Ah, un crochetant peut-être. Médecine. Réparation, déjà minimum. Voilà. Pour deux quêtes. Armes à énergie, j'aimerais bien, voilà, au moins minimum. La discrétion, on va rajouter quelques points. Discours aussi, parce que c'est bien pratique. Ouais. Ouais, ça va être bien comme ça. Alors, oula, il y a beaucoup de choses. Fanat d'armes 2, d'accord. Canaille. Chaque degré de l'aptitude canaille augmente vos compétences, discours et troc de 5 points. Ça, c'est sympa quand même. Compréhension. L'aptitude compréhension rapporte un point de compétence supplémentaire à chaque lecture d'un livre de compétences. Ça, c'est bon, ça. Entomologiste. C'est celui qui étudie les anthonies. Voilà. Avec l'aptitude entomologiste, les dégâts infligés à un insecte mutant comme le rat de cafard, la fourmi géante ou le rat de scorpion sont augmentés de 50%. Ouais. Âme d'enfant. L'aptitude. Ça fait un peu peur, âme d'enfant. L'aptitude âme d'enfant améliore considérablement vos interactions avec les enfants, généralement par le biais de choix de dialogue spécifiques. Ouais. Il n'y a pas assez de gosses en fait dans cette histoire pour prendre âme d'enfant. Je pense pas que ce soit vraiment super important de prendre ce truc là. Éducation. Alors, avec la petite éducation, vous gagnez 3 points de compétences supplémentaires à chaque fois que vous passez un niveau. Il vaut mieux choisir cette aptitude le plus tôt possible pour en optimiser l'effet. D'accord. Ah, éducation me plaît bien. Je vais prendre l'éducation, je pense. Ça sera vachement plus pratique. Je pourrais prendre voleur après ou quoi. On va prendre l'éducation. Voilà. Très bien. Ouais, je suis en ventouse. Du bruit. Non, tenue randonneur, j'en veux pas. Ah. Et voilà. On a trouvé un bouquin. C'est assez dur à trouver le bouquin. Celui-là, c'est quoi? Ah, c'est pas un bouquin? Ah si. Gorge et peine. Crochetage, d'accord. Plus un crochetage. Je recrute tout sauf ça, mais bon. J'ai l'esprit tordu. C'est surtout la cheminée de témoin en fait, ça sert à rien. D'exposition, il n'y a pas d'évacuation en haut, c'est... Ah, petite sauvegarde. Je sais pas du tout où était la bestiole avec qui s'amusait le petit truc volant là, tout à l'heure, le petit drone.
Là-bas, il y a quelque chose. Là-bas, il y a quelqu'un même. Il y a un rider. Ouais. Il faudrait que j'y aille en plus. Ah. Ah oui, c'est des mouches. Ah, je vais voir tester si je suis meilleur avec les armes à énergie ou pas. T'as un menu ou t'as des armes? Je suis en danger? Ah, tu cours vers mon bon ambi. Non, je l'ai pas pris en plus. Je savais bien que j'avais pas pris l'armure. Ouah, ça éclaire un peu. En fait, les riders, comment dire, ils font les guets dans des zones où il n'y a rien. Je crois que c'est un plaisir, c'est une passion. Voilà, ils se mettent à un endroit, ils disent on va surveiller là. Il n'y a rien, c'est chouette. Parce qu'il y a vraiment rien, je comprends pas ce qu'ils surveillaient quoi. S'il y avait d'autres riders dans le coin, tu dirais peut-être que. Ah, il y a un pont quoique. Et encore, il est loin. Super loin. Enfin, le game design aussi, c'est. C'est n'importe quoi. Oh, c'est un vendeur ça. Oh ouais, je peux y aller. Ouh. Une petite barrière et tout. La maison d'Agatha. Voilà, d'accord. Ah, si tu pouvais me vendre le fusil, ça m'arrangerait bien. Salut. Ah, une autre créature parcourant les terres désolées. Bienvenue à mon humble caravane. Salut. Détendez-vous, nous sommes en sûreté ici. Le genre de sûreté que seule une abondance d'armes peut fournir, qu'elle soit puissante ou sournoise. Et toutes sont à vendre à un bon prix. Pardon. Ah, le monde est un endroit dangereux. Alors je me suis dit que le meilleur moyen de le pacifier était de faire en sorte que chacun soit dangereux. Alors avec l'aide du maire de Canterbury Commons, j'ai mis sur pied cette caravane. Je ne donne pas mes armes gratuitement, mais presque. Ah ouais? Oh, je vois. J'ai tout un assortiment d'engins de mort très variés. Faites votre choix. C'est calibre 12, non pour les... Ah oui, c'est calibre 12. Mmh. Pour sûr, je te les prends toutes. Par contre... Ah, pour l'instant, les clous, je n'ai pas besoin. Ça n'a pas besoin non plus. Ah, je le vends canoncier, je n'ai pas besoin. Je vais pas me balader avec canoncier, quoi. Je vais rien faire de pistolet chinois. Ah, c'est du scotch, c'était pas le plastique, c'était la boisson. La ventouse, tiens, la viande de chien. La viande de chien. La viande de chien. Souffleur à feuilles, j'avais même pas vu. Pardon. Qu'est-ce que je peux te vendre de bien? Ah, mais ça, je peux toujours en vendre, oui. Je m'en fous. L'arme à air comprimé, je suis à deux doigts quand même. Ah ouais, non? Il me donne du fric? Non? Ah non, pas la ventouse, non. Non, non, tout sauf ça, je préfère encore...
Non. C'est quoi le truc qu'il a pris? Langue témoin, finalisé, financier. Argent d'avant-guerre. Ouais, au moins ça, ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu as à me prendre? Mais pourquoi je fais ça en fait? Parce que. Au final, si je trouve quelque chose qui m'intéresse. J'ai plus l'habitude d'utiliser cet inventaire. Couteau, grenade, lance-missile, missile, pistolet chinois, pistolet laser. Pistolet laser, plan flambeur. Ah, oula, chien. Queue de billard, steam pack, tuyau de plomb. Bon, ça, je te les prends. Ça sera fait. Non. C'est quoi que tu utilises des cartouches de 32 là? J'ai rien utilisé des cartouches de 32. Pfff, ouais. C'est un plaisir de faire des affaires. Ah si, bah, j'ai pistolet 32, d'accord. Voilà. Ah si. Restez en. Oui. C'est une fille. Restez réglo et tout se passera bien. Restez réglo et tout se passera bien. Faudrait se raser, mademoiselle. Vous se débarbouillez la merde que vous avez autour de la bouche, je sais pas. Je sais pas. J'ai peur. Bon. C'est cosy, hein, c'est... Merde. Je suis de connerie. C'est cosy, c'est mignon. Ah ben elle est là, je vous dis, personne, je pourrais dormir et tout. Je pourrais y pioncer, mais non. Salut. Eh bien, vos voyages ont l'air de vous user. Oh, j'en oublie les bonnes manières. Je m'appelle Agatha, et je suis ravie de faire votre rencontre. Alors, qu'est-ce qui vous amène jusqu'ici? Non, ne vous en faites pas pour moi. Je me débrouille très bien ici. Mon mari, paix à son âme, a fait en sorte que cette maison soit bien protégée des éléments et des habitants des terres désolées. C'est gentil à vous de dire ça. Oui, il est décédé. Après avoir construit cette maison, nous y avons vécu heureux de nombreuses années. Décidé de nous couper de l'extérieur et de vivre tous les deux. Vieille, oui. Frêle, non. Je pourrais encore en remontrer à quelqu'un s'il le fallait. Mon mari m'a obligé à apprendre quelques trucs pour me défendre. En plus, une caravane passe me ravitailler toutes les semaines. Si je n'étais pas là, ça se remarquerait. En plus d'un abri, eh bien, je divertis les gens, je joue de la musique sur mon violon artisanal et les gens me paient en marchandise. Si les gens ne sont pas là, j'utilise le vieil émetteur de mon mari. Les gens des caravanes disent que ça leur donne le moral la nuit. J'ai peur. Alors, tiens, j'imagine que violon fait maison n'est jamais accordé. La radio de votre mari émet dans toutes les terres. Vous avez fabriqué vous-même votre violon? Oh, quelle perspicacité. Oui, c'est exactement mon problème. Il ne joue pas toutes les notes correctement et je dois le bricoler en permanence. Oui, il était très fier de son installation. Il a bricolé ce truc pendant des années avant de réussir à le faire marcher. J'ai essayé de l'utiliser pour obtenir ce dont j'avais besoin, mais je n'ai jamais reçu de réponse. Ah bah disons qu'il y en a des trucs à faire, hein.
mari avait ses passe-temps, mais je crains que mon unique hobby ait été de fabriquer cet instrument de forme. J'aimerais beaucoup le remplacer par quelque chose de mieux. Puisque vous le proposez, oui, en effet. Mes activités dépendent de mon violon. Sans lui, je ne peux pas jouer. Impossible de faire de la musique. Si vous pouviez m'apporter un autre violon, un meilleur, je me sentirais plus à l'aise. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, je n'ai rien de valeur. Enfin, rien n'ayant une valeur matérielle. Tout ce que je peux vous offrir, c'est la même chose qu'aux caravanes. La fréquence de ma radio et la promesse d'une belle musique. Ah non, mais je veux du fric, moi. Vous avez raison, je me suis peut-être montré égoïste en oubliant que vous pourriez avoir besoin de certaines choses. J'ai quelques munitions laissées par mon mari. Une boîte contenant diverses choses. Je n'ai pas dû l'ouvrir depuis des années. Si vous faites ça pour moi, vous pourrez prendre tout ce dont vous avez besoin. Ça, c'est cool. Oh, je crois que je n'ai pas été aussi heureuse depuis des années. Comme promis, voilà la clé de la caisse de munitions. Elle est sous la radio. Avant de partir, j'ai des informations qui pourraient vous aider. Au moins un endroit par où commencer. Tout remonte à mon arrière-arrière-grand-mère Hilda, en 2077, avant la chute des bombes. En un sens, oui. Hilda a envoyé pas mal de lettres à mon arrière-grand-mère Marie, qui les a transmises de génération en génération. Je suppose que cette correspondance pourrait être considérée comme une sorte de journal. J'ai du mal à imaginer une époque aussi reculée. On est en 2015. C'est très loin, en effet. Ce précieux non. instrument enfin, oui, là, oui. livre pas mal de choses. Tant qu'on va jouer à Fallout en 2077, ils vont rigoler. Elle avait reçu une formation classique et était extraordinairement douée pour le violon. Son violon Stradivarius était sa fierté et sa joie. J'ai de la peine à imaginer à quel point cet instrument devait être magnifique. Pendant la guerre, elle fut invitée par Voltec dans l'abri 92. Ils ont dit qu'il avait pour but de protéger les talents musicaux. Ah ben voilà, il est dans l'abri 92. Voltec faisait la publicité des abris dédiés à la préservation des arts, de la science, etc. Hilda n'aurait pas laissé passer l'occasion de rencontrer d'autres talents musicaux, alors elle a accepté l'invitation. Ensuite, les bombes sont tombées, l'abri a été fermé et ma famille n'a plus jamais entendu parler d'elle. Elle le gardait dans un étui spécial pressurisé. Il assure à l'instrument une température et une hygrométrie idéales. Hygrométrie. Si l'étui fonctionne toujours, le Stradivarius devrait être en parfait état. Le Stradivarius d'Hilda s'appelait le Stradivarius de Sol. Chacun d'eux avait un nom. C'est cet objet que je voudrais que vous retrouviez. Ah mais non, je crois que tu voulais juste un violon. Le problème est là. Je ne sais pas où il est. Je vous suggère d'aller au siège de Voltec, dans les ruines de DC. Ce serait un bon endroit pour commencer. Je regrette. J'aimerais bien. Tout ce que je sais, c'est que Voltec avait l'intention d'y préserver les talents musicaux. Quand les bombes sont tombées, là, peut-être qu'en le trouvant, pas grand-chose, j'en ai peur. Il a été fabriqué en 1714 par un célèbre luthier italien du nom d'Antonio Stradivari. Apprenez les enfants. Il a construit pas mal de ces violons qui ont ensuite chacun reçu un nom pour les différencier. Ils sont considérés comme les meilleurs instruments jamais fabriqués. Et ils sonnent tous différemment, paraît-il. C'est incroyable. Comme les bombes ont détruit la quasi-totalité de la planète, il est probable que ce soit le dernier survivant de son espèce. Je crois que je vais donner à une vieille pique qui vit toute seule au milieu de 4 tôles.
Eh bien, j'ai déduit du journal de mon arrière-arrière-grand-mère qu'elle possédait un étui pressurisé spécial créé pour lui. Il faut espérer que le Stradivarius de Soil était dans son étui quand elle... Vous savez... J'espère que vous ne comptez pas vous montrer malhonnête. Vous m'avez donné votre parole. Oui, d'accord. C'était une femme d'exception. Elle s'appelait Hilda. Elle avait une formation classique et un grand talent pour le violon. Son violon Stradivarius, c'était sa fierté et sa joie. J'ai de la peine à imaginer à quel point cet instrument devait être magnifique. Durant la guerre, elle fut invitée par Voltec dans l'abri 92. Ouais, voilà, ça on le sait, c'est une histoire. Ah. D'après ce que je sais, il se trouve dans les ruines de Dissy. Une caravane de marchands m'a indiqué son emplacement. Ah. Ils m'ont dit que la sécurité était très élevée et qu'il y avait un ordinateur central à l'intérieur. J'imagine que c'est assez dangereux. À votre place, je redoublerai de prudence. Voilà. Il faut que j'aille récupérer le marchand, il a pas dû bouger. Si? Oh putain, il s'est barré. Ah non, il est là. Le voyageur désarmé ne fait pas de vieux os. Choisissez. Oh, chut. Oh merde, je peux pas te poser de questions. Restez. Oh. Bonsoir. Ouais. En fait, sauvegarde. Qui bouge avant. Ah, je suis en danger. Oula. Oula, il y en a un coucou. Ah, mais. Ça fait mal. D'accord. Ah, c'est des boucliers. Ah bah d'un camp pour la... pas mal pour le fusil à pompe quand même. Ah ouais, je sais pas d'en sauter. Ah je me rappelle pas que c'était aussi dur de sauter dans ce jeu. Salut Mido! Ah ouais, du Fallout depuis 14h. Voilà. Oh, des maisons. Des maisons. Ah, mais c'est le champ de mine, je suis con. Ah, faut que je fasse gaffe.
Ah là, oula. Non ? Ah non. Non, c'est pas ici ? Je me baisse, mais... Vas-y, j'approche. Ah, je suis loin encore. Là. Voilà. Je suis. Ah. Pas exactement là où elle m'a dit, mais on rentre. La maquette de maison. Ouh, une maquette de maison. Faut que je me rappelle qu'il y a une maquette de maison à accrocher. Ah. Ah. Un point de plus. C'est connu, les chats, ça fait plus de radiation. Allez. Bon, ça mettrait vraiment quoi, sans projetage. Ah, bon sucré, ça ouais, ça, ah bah tout voilà. Ça aussi. Ça aussi, autocuiseur, tiens, ça coûte des sous. Ça coûte des thunes ces trucs. Sauvegarder. C'est quelqu'un, je le bute. Oh, les béquilles. On s'en fout. Ah. Le plus intéressant. Ah, un coffre. Oula. Joue avec. Dégueulasse. Rien d'autre, merde. Non, on peut déshabiller. Bon, au final, je me planque, mais il n'y a personne. Je veux pas qu'il est mort. Si, c'est rigolo. Maintenant, je dégage le lit pour pouvoir pioncer. C'est fini, alors je vais pouvoir dormir. Je vais pouvoir dormir 2-3 heures. Peinard. Il n'y a personne. Bon, il fait toujours nuit un peu, mais bon, un peu moins. Ah. Pfff.
Ça fait quick. Ah, je te vois les mines. Allô? Y'a quelqu'un qui m'a tiré dessus? Oh non, abusé! Je l'ai pris, je l'ai désamorcé. Ah. Ah. Voilà, on va faire un sauvegarde à chaque fois. Hein. Qui c'est qui me tire dessus? D'accord, waouh! On recommence. On recommence. D'accord. Ah ouais, mais on dirait qu'il y a quelqu'un. Ah, un de radiation. Alors. Je peux même pas passer là-dessous, quoi. C'est pas un sniper, c'est un mec qui a un bazooka, quoi. C'est pas possible. Je suis caché, quoi. Il y a marqué je suis caché et le mec il me snipe. J'ai manqué de la rater quand même. Bon. Alors, ah, il y en a une là. On va faire péter la gueule. Ah, ça serait cool. Voilà. Je peux pas sniper vu que j'ai pas de sniper. J'ai pas de fusil. Donc je peux pas trop le sniper. Là, je vais sauvegarder parce que je sais pas s'il y en a une autre là. J'aimerais bien. Hein. Je dis oui. Hein. Mais sans snipe, ça va être compliqué quoi. Ça va être très dur. Non mais je vais aller lui rendre visite. Hein. Je récupère un peu mes points de vie quand même. Si je peux. Je vais voir la maison un peu. Ah, moyen? Ah, il faut 5 ans d'empranchetage. Ah, il faudrait absolument que je revienne à Minefield alors. Ah, bah j'en ai rien en le tuant, oui, c'est vrai, effectivement. Oui. Et pourquoi on peut pas passer là-dessous là? C'est idiot. C'est idiot. Même moi, je suis large, je passe quoi. Ah, ouais, t'essaies de m'avoir, hein. T'es où? Aïe! Ah, peut-être une mine à Moira. Alors, je sais pas où elle est cette mine, mais je l'ai bien bouffée. Hein. Je l'ai bien prise dans la gueule. Hein. Ah, je la vois. Ah, je me suis fait violer par la mine. Là, celle-là. Ah. Il y en a une autre là-bas, tiens. Ça, je vais pouvoir blinder de mines, je vais pouvoir poser plein de pièges aux mutants, tout ça. Ça, contre les mutants, c'est bien pratique, quand même. Ah, elle m'a déchiré la gueule, celle-là. Il y a plein de petits moteurs, là, des trucs.
On va sauvegarder. Ouais. Quand même, faut que je m'en remette quand même parce que. Il va me bouffe craignos. Hein. Ah merde, les bouffes. Ah, j'ai pas dû manger les bons sucrés. Ouais, l'eau sale, c'est bien ça. Bon, c'est du cureuil, ouais. Si. Voilà. On est reparti. De la mine. Ouais, ouais. Non, mais je viens de bousiller. Je te vois en plus. Je vais te bousiller. Je te vois. Ah, et ouais, je suis mort. Même Darty, t'es meilleur des mineurs? Bon, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il soit meilleur des mineurs, Darty. On vous a menti. On vous a fait croire. Il y en a plein là-bas aussi. Bon, maintenant que je suis près de lui, il bouge. Et il galère. Hein. Il est descendu ou... Il est en suspense. Ah, d'accord. Oh là là. Oh, c'est abusé. C'est n'importe quoi. C'est une fois que je contourne de nuit. Enfin, en même temps, Darty, comment dire... Light, il joue pas en très difficile. Moi, je joue en très très difficile. Voilà. C'est la différence. Light, il a dû jouer en easy. En zizi, il a dû jouer. Il y en a pas, cet enfoiré. Hein. Il bouge ou pas? Et merde. Ah putain, les mines de partout. Quelle galère. Non. T'es où? Prudence. Voilà, c'est un petit zizi. Mais moi je veux bien. Ça suffit. Elle est où la mine? Oula. Mais il est où? Ah mais il est derrière moi, c'est en forêt. Putain. Mais n'importe quoi. Putain. N'importe quoi. Ah si, je vais faire un truc. Je vais être un enfoiré. Peut-être que ça marchera. Peut-être que ça marchera pas. On s'en fout. Non, non, ah non. Attends, le mec qui te touche, il rate jamais sa cible. Ciao mon vieux. Ciao mon pote. Si tu me contournes. Pourquoi pas, tiens. Pourquoi pas. Je bouffe tout. Ah, mais merde, mais... Mais d'où il sort? Comment il a fait le tour? Je sais pas pourquoi. Mais ils sont plusieurs. Sauvegarde. Ils sont plusieurs, les mecs. En fait. Sauvegarde.
Ah, oula, on a manqué de se faire sauter tous les deux en fait. Ah oui, effectivement. Adieu mon cruel. Splooch. Ouais. J'avais vu Light aussi qui avait fait les mines, ouais. Quand il se prenait une mine, il sautait pas autant que moi. Hein. Il sautait pas autant de joie. C'est une tempête ça. Mini tornade. Prudence, prudence. Je suis prudence. Je suis prudence. Oula. Dis mon nom. Prudence. Dis-moi, t'as laissé plein de trucs. Mais laissez-moi des munitions. Des pétards. Des pétards. Le mec, il me laisse des pétards. Ouais. Vous ne pouvez pas. C'est pour les objets cassés. Ah, c'est un objet cassé? Non, sérieux? Oh non, abusé. Oh là là, l'objet il est pété. Comme par hasard. Je chope un sniper, il est cassé. Enfin, vraiment la faute, t'as pas de chance. Hein. Prudence, mais il est où? Dieu, monde cruel. Ah, j'ai oublié de la sauvegarder en plus, juste avant. Où est l'autre? D'accord, elle était exactement là où je pensais. D'accord. C'est la compile des explosions de la gueule. Ouais, je vais y arriver, je vais y arriver. Elle est bien planquée quand même, celle-là. Tiri, tiri. Prudence, mais je ne sais pas pourquoi. En fait. Il n'y a pas de danger. C'est assez étrange. Ah, tiens. On va déminer toute la région. Bon. Il n'y a plus de mine par là. De faire partie de la difficulté. Ah oui, de prendre les mines dans la gueule. Ah, de qu'elles soient aussi peu visibles, je sais pas. Je suis pas sûr qu'ils aient calculé ça, hein, vu tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il y a à faire au niveau game design. Boum. Ça a été pour moi. Ça a été pas loin. Ça a été bien planqué dans le. Bien planqué dans les fourrés. D'être par là, je pense. Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu. Fais du repérage. Là. Je l'ai vu. Sauvegarde quand même. Bon, on peut y aller debout. Hein. Là-bas, il y en a une. Je vais peut-être en chemin, je sais pas. On tente le tout. Je t'ai pas vu celle-là, je passe à côté pourtant. Bizarre. Prudence de quoi? Y'a qui?
aller là-haut. Waouh. Ah. Oh, je suis plus sous l'effet de la drogue. Oh, je suis en bad trip là, non? Je suis lent. Ah oui, je suis un objet, j'ai un peu trop un objet. Voilà. Ouais. Mais je suis pas équipé en plus. Je suis en train de penser. J'étais même pas équipé, c'est peut-être pour ça que je me suis fait éclater aussi. Donc en fait, le jeu, même en vraiment très difficile, il est facile. Bon bah ouais, ça a déjà l'air de jeu. Hein. L'air de jeu qui ne comporte pas de mine quand même. Peut-être me faire éclater le caisson à un moment, mais... Ah si. Ça, pourquoi il y a toutes les mines? Oh, il y a personne quoi. J'ai trouvé sa maison. Oula. Ah oh merde, je suis en surpoids. Je suis en surpoids. Oh, attendez. Ah oui, quand même, j'ai pris des trucs. Trucs bien, quoi. Du pâté de mangeux, c'est très bon ça. Le steak, on s'en fout, ça fait du poids en moins. Viande de mouche, allez. Ah, moi. Voilà. Ah, je vais tout laisser là. Miaou miaou. Miaou. Miaou miaou. Miaou miaou. Ah t'es à fond. Ah ouais. Ah d'accord. Miaou. Miaou. Voilà. Eh bah je t'ai entendu hein. Miaou miaou miaou. Ouais, ouais. Miam, miam. Parce que c'est flippant, quand même. Oula. Tenue peau de bramine.
Ils avaient tous des attelles à la maison, quoi. C'est dingue. En 2077. Ah, j'en ai des médecines. Très très bien, ça. Mon petit point de médecine qui me manquait. Ben, toujours des déshabillés. Ouais. Oh, je pourrais dormir un petit peu. Ouais, Charlotte, ouais, qui parle. Charlotte ? Charlotte ? Charlotte ? Miaou ? T'es fâché ? Non ? T'es fâché ou pas ? Non ? Oui ? Ouais ? Tu veux raconter ta vie ? Ah ouais. Ah bon, ah. Bah c'est que je dorme un peu pour que je sois hors de danger en fait. Miaou. Ah, c'est Chiquito ça. C'est elle? Moi on a dit Chuck mais bon. D'accord. Il y en a une là-bas. Bon, on va visiter notre baraque. On a fait cette quête. Oh, ça me dit quelque chose cette config. Je crois qu'il y avait plus de monde. Oh, du sang. Peut-être avoir des invités. Ah, mais je suis déjà venu ici. Ah oui, je suis venu. Ah, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. C'est l'entrée. Oh. Il faut que j'aille de l'autre côté en fait. Ah, je suis sorti par là en fait. Non, il n'y a pas une autre sortie. Peut-être pas, non. Ça, je l'ai pas vu par contre. Ensuite, alors. Donc par là. Oula. Ah, le piège à côté de la tondeuse. Pour ramasser les lames. Salaud. Bien vu, bien vu. On a Walking Dead pour bloquer la sortie. Mais j'ai passé les clés. J'ai éclairé de toutes les maisons. Au village près de la place de ciné vers la tour. Non, je suis pas allé encore. C'est là où il y a la famille, non? Ceux qui emmerdent les gens là qui vivent sur le pont de l'autoroute là. Ouais, on dirait un peu de clochards, ils vivent dans des cabanes en cas de la tôle. Ils protègent ça comme si c'était un truc. Quoi? On a dit qu'on a tapé. Oh, pistolet mitrailleur! Waouh! Waouh! Pistolet mitrailleur! Trop classe!
Oh, je suis en surpoids. Oh. Oh. Alors, on va. 4 Nicolas. Non, je pense. Pardon. Il est dans quel état mon. Mon pistolet mitrailleur. Ah, ben voilà. Déjà, on gagne un peu plus de place. Ah, c'est la même munition, ouais. Oh, ce sera mieux que ça. Tiens, je pourrais avoir mon pistolet. Waouh. Un autre village avec 4 maisons, d'accord. Faudrait que j'aille faire un tour. Ah, je suis voué. Tout le monde est mort. Un nounours. Ah, cool, un bouquin. Des fléchettes. Ouais. Je vois déjà, on va pousser le meuble. Ah, on peut pas fouiller le mec. L'eau sale, faut le virer. Oh, il y a un truc. Oh, l'homme témoin s'en fout. C'est bon, ouais. Il faudrait vraiment que j'aille vendre quand même. La grande tour, d'accord. Ah, il faudra que j'irai voir. Hein. Est-ce que j'y suis allé? Oui, j'en viens. Ah oui, j'ai un bouquin. Je l'ai pas appris. Ah, le pugilisme illustrated. Plus un moins pas manu. Ah non, j'ai appris celui sur la médecine, je l'ai appris. Donc. La maison en face, on peut pas y aller. Une tondeuse pourtant. Ouais, ça aurait été bien de pouvoir. Non. Bon, bah. Ça va, Arkansas? Ça va bien? Je me venge un peu, quoi. Petite bastos là.